applaudissements. Nous allons maintenant, sans plus attendre, alors là, retrouver un chanteur qu'on aime particulièrement. Il s'appelle Joël Prévost. Vous voyez, il a fait une chanson à l'époque, il a participé au concours de l'Eurovision avec « Il y a des violons sur les toits », c'était une belle chanson. Et là, il nous interprète, d'ailleurs, « Il y aura toujours des violons », donc que nous allons écouter, écrit par Didier Barbelivien. Joël Prévost. Merci Joël. Alors, je suis dans mon magasin, et là, qu'est-ce que je trouve ? Erika, voilà, ici, Madame Erika avec son accordéon, et ses succès que vous entendez.